La mission d'aujourd'hui, ça a été d'accueillir nos clients au sein du restaurant éphémère qu'on a créé pour le salon Expo Taille. Un sacré défi à relever, puisqu'effectivement notre métier est de mieux servir nos clients tous les jours, mais pas dans un restaurant comme on peut le faire aujourd'hui. Les clients ont eu l'air d'apprécier le fait que finalement les rôles se soient inversés et que cette fois-ci, nous passions de l'autre côté de la barrière. Le défi était un peu particulier, défi de taille, puisqu'on a l'habitude d'aller chez nos clients. Et là, on s'était dit, ben, pourquoi nos clients ne viendraient pas chez nous? On va les faire s'asseoir, on va les servir et on va leur faire déguster nos gammes produits. Donc c'était ça le challenge, sachant qu'on avait renforcé un peu les équipes au niveau du back-office. En cuisine, on avait quelques grands noms de ce milieu avec des chefs étoilés qui nous ont aidés aussi par l'école Ferrandi. Et ensuite en salle, c'est nos propres commerciaux, nos propres équipes commerciales qui servaient nos produits, nos plats à nos clients. Je suis en back-office, c'est-à-dire que je m'occupe de faire attention à ce qu'il ne manque rien et de faire la plonge, la vaisselle, les poubelles. Aujourd'hui, j'étais derrière la plancha. Je me suis occupée des clients qui, d'habitude, s'occupent de leurs clients dans leur restaurant. C'est encore un concept un peu différent qu'a fait Pomona. Et le resto éphémère, j'ai trouvé ça super comme idée. Pourtant, on en a fait des choses. Dans 2 ans, on va faire mieux encore. Donc à nous d'être toujours innovants et surtout faire plaisir à nos clients parce que c'est la base de notre métier. On essaye de faire les choses passionnément et quand on est passionné, ben, la passion est communicative. Les clients sont repartis du stand Passion Froid avec les yeux qui brillaient et je pense qu'on a marqué des points.